Hey, je te présente la team de PNJ qui va m'escorter. Donc, d'abord, on a un astronaute. Bon, il est surtout souvent dans la Lune. Eh bien, oui. Ensuite, j'ai un plombier. Bon, clairement, il place plus son temps à manger des champignons qu'à réparer la tuyauterie. Mamma mia! Ensuite, j'ai un enfant très impertinent. Va te faire champigner! Voilà, maintenant j'ai un lion-garou. Bon, en fait, c'est juste un lapin hein, avec un costume de lion. Bouah, gros art, bouah! Ensuite, j'ai un mouton. C'est un mouton parce qu'il fait tout ce que les autres font, quoi. Mais... Et puis pour finir, voilà, j'ai un dragon obèse. Et du coup, il peut pas voler. Ok, bon, je suis vraiment pas aidé. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Je vais demander un tout petit peu de patience. Je vais chercher mes notes et on va parler de créer une faction de 6 PNJ. Tac. Alors, oui, parce que les PNJ, parlons-en un petit peu. Souvent, on va créer un groupe de PJ et juste ils sont tout seuls dans le groupe et ça peut faire un peu artificiel quoi entre guillemets. Donc on peut avoir envie de leur rajouter une petite escouade de PNJ qui les accompagne, qui font éventuellement partie de la même communauté. Mais après c'est pareil, il en faut pas trop quoi. Enfin, une sorte de juste milieu à trouver quoi. Moi, je pense que j'aurais du mal à gérer. Tu vois toute une caravane de PNJ. Donc, pour limiter un peu la charge cognitive, voilà, j'ai décidé de. Je suis plutôt tendance quand même à limiter le nombre de PNJ. L'extrême, c'est le jeu de rôle GN, les centres, où il n'y a absolument pas de PNJ, il n'y a que des PJ, quoi. Il n'y a même pas de PNJ antagoniste, il y a zéro PNJ. Un peu moins extrême, dans Influenza ou dans Oriente, il y a quand même relativement peu de PNJ, parce qu'en fait, l'intrigue, elle est centrée autour des personnages. Mais bon, voilà, t'as compris qu'on n'allait pas parler de ces jeux sans PNJ ou avec peu de PNJ, mais plutôt, voilà, quand nous, on a le besoin d'avoir une cohorte, une communauté ou une caravane, voilà, qui accompagne les PJ, ça fait partie de certains des plaisirs de jeu, quoi, d'avoir sa team, en gros, quoi, et ça rajoute un peu le côté incarné. Et cette cohorte, elle peut aussi servir de réservoir de PJ. Voilà, si tu veux changer de PJ ou si ton PJ est mort, bah, c'est quand même plus facile, plus cohérent de dire oui, mais bah, en fait, il y a le tel PNJ de la tribu bah, qui va reprendre les affaires courantes à ma place. Voilà. Du coup, je devais te renvoyer. Oui, en plus, si tu as aussi une grosse communauté de PNJ. Ça peut te permettre, toi, de décider de jouer plusieurs PJ à la fois, quoi. J'avais fait une vidéo sur jouer tout plein de personnages. Bon, alors, on parlait de charge cognitive tout à l'heure, et du coup, quand on va avoir une petite cohorte de PNJ, moi j'ai trouvé un chiffre magique, c'est 6. Avoir 6 PNJ qui entourent les PJ. Donc, je parle bien, c'est pas forcément des adjuvants, mais c'est, entre guillemets, ils font partie de la même communauté, de la même tribu, de la même faction. Il peut y avoir du drama avec eux et tout, ça peut finir en antagonisme, mais au départ, c'est quand même des PNJ qui les accompagnent, qui ne sont pas les antagonistes principaux, quoi. Alors, ces 6 PNJ, je pense que tu peux te contenter de les définir en une ligne, ça fait le job, quoi. Par exemple, je te mettrai un compte-rendu de partie où c'est un peu là où m'est venue cette idée là du concept de 6 PNJ, où j'avais fait une troupe comme ça de PNJ qui accompagnait les PJ. Alors, je me rappelle pas de tous, mais il y avait notamment une princesse elfe qui était en train de se transformer en pierre, donc elle était tout le temps alitée. Il fallait la transporter comme ça. Il y avait une espèce de géant. Un peu idiot, tu vois, hyper fort mais hyper stupide. Et le seul mot qu'il savait dire, c'était le nom d'un des PJ. Je te promets qu'il n'était pas plus caractérisé que ça. Mais en fait, le fait qu'il répétait comme ça le nom d'un des PJ, c'était sa façon de s'exprimer,
le moment où il est mort et son dernier mot, bah, ça a été ça, quoi. Je peux dire qu'il y a eu une émotion à la table, c'était un truc de fou. Donc voilà, c'est juste pour dire que des fois, avec un PNJ défini en une ligne, tu peux vraiment amener des situations très très fortes. T'es pas du tout obligé de leur faire un historique hyper compliqué. Faut juste avoir une idée forte, voilà, qui tienne en une ligne. Au potentiel ludique, toi-même, tu sais, quoi. Et, bah, en fait, quand tu crées tes 6 PNJ au début, lors de la fameuse session 0, peut-être que tu peux, ou du world building, peut-être que tu peux confier, en fait, à chaque joueur, tu confies un PNJ à créer. Crée un PNJ auquel ton personnage est lié, et si on n'arrive pas au nombre de 6, et ben moi, en tant que MJ, je vais boucler le reste. Là, l'avantage, du coup, ben, c'est que tout de suite, il y a beaucoup plus d'implications avec ces PNJ, parce que chaque PNJ, en tout cas créé par un PJ, par une joueur, est lié à un PJ, quoi. Alors, bon, j'ai parlé de les créer en une ligne, mais on peut un tout petit peu plus les étoffer, et ça, c'est pas obligé que ça prenne du temps, en fait. C'est-à-dire que tu peux utiliser, il y a tout un tas de générateurs aléatoires sur Internet. Moi, je te mettrai en lien, par exemple, le générateur aléatoire de PNJ pour 1000 vaux. Essentiellement, c'est un PNJ, il a une mission de vie, un destin, la mission de vie et le destin viennent du jeu Les Centres, et puis une illustration qui vient du jeu Nervure, et puis basta, quoi, ça suffit, enfin, c'est déjà plus qu'une ligne, hein, clairement, hein, il y a beaucoup plus de... déjà souvent une illustration bien évocatrice peut déjà dire beaucoup de choses, mais en plus, avec la mission de ville et le destin, ils ont un tropisme, et puis ils ont des liens relationnels avec 4 entités, quoi. Donc ça commence à être pas mal. Moi, je t'invite à aller sur le site Chartopia, évidemment, je te mettrai un lien. Il y a plein de NPC Generator, de générateurs de personnages là-dedans, quoi. Une fois que tu as créé tes PNJ, pour que les joueurs s'en rappellent, ça peut être intéressant si t'as, de créer un petit trombinoscope, soit tu les dessines vite fait, soit tu imprimes soit tu imprimes des portraits, ou si t'es sur internet, bah, tu peux faire ça avec Miro. Donc, tu fais un petit trombinoscope des PNJ importants de l'équipe, en laissant un petit espace pour prendre des notes, quoi. Bon, évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, puisque vous savez qu'il y a des questionnements éthiques, voilà, bon, chacun voit un petit peu, entre guillemets, avec sa conscience, mais tu peux aussi très très facilement générer des PNJ via intelligence artificielle, où là, tu vas pouvoir à la fois générer une image, un historique, voire même des statistiques si tu présentes un jeu un peu connu, enfin, si tu demandes de générer des statistiques pour Donjons et Dragons, on va t'en sortir, peut-être qu'elles seront un peu pétées, mais bon, grosso modo, t'auras un stat bloc, hein. Alors justement, les fameux stat blocs, personnellement, tu sais que je suis un petit peu feignant, bon, déjà, je fais de moins en moins de... Enfin, je fais pas souvent des jeux avec beaucoup de règles et avec des stat blocs, mais si je fais quand même un jeu avec des PNJ où les PNJ sont censés avoir des stat blocs, je les crée pas tout de suite. J'ai fait ça au début, ça prenait vraiment beaucoup de temps pour des PNJ qui allaient pas forcément servir et tout, donc je ne fais plus. Bon, tu peux évidemment trouver des stat blocs ici et là. Sur Chartopia, t'as des générateurs de NPC, de PNJ avec plein de avec les stat blocs affiliés. Mais sinon, créer en fait les points, les seulement quand t'en as besoin. Un combat éclate. Bon, bah là, ça commence à être intéressant de savoir quel score d'initiative pour avoir le PNJ, éventuellement, pour peut-être quel pouvoir il a, c'est quoi son score en force, son nombre de points de vie. Bon, bah, tu le fais vite fait, quoi. Mais du coup, on est en combat, t'as pas besoin de créer ces statistiques sociales ou ces savoirs et tout, ça servira pas pendant le combat. Inversement, s'il y a qu'une situation voilà, de dialogue intervient, puis t'as besoin de savoir le score de psychologie, de diplomatie du PNJ, tu crées ce score-là, tu crées pas ces combats et tout, tu fais ça à la volée, quoi. En impro, en fait, les stats, tu vois, l'improvisation, ça concerne pas uniquement, en réalité, ça concerne pas uniquement la narration, mais ça peut concerner aussi tout ce qui est l'aspect mécanique, chiffre, quoi. Donc ça, il faut pas hésiter, quoi. Si tes joueurs trouvent pas ça legit, ben, on dit leur, voilà... Je suis MJ, je suis pas, entre guillemets, je devrais pas avoir à poser 2 jours de RTT pour préparer chaque partie, pour faire tous mes stat blocs et tout. Donc bon, voilà, il y a un moment,
ça me paraît legit d'improviser des stat blocks, quoi. Même si effectivement ça truque un petit peu le jeu, quoi. Bon, de toute façon, même si tu crées des stat blocks à l'avance, le jeu de rôle c'est un jeu truqué de départ, quoi. Si je veux que mon PNJ se fasse rouler dessus, je lui fais des stat blocks de merde, puis si je veux qu'il soit hyper fort, je lui fais des méga stat blocks, que ce soit en préparation, en improvisation. La vérité, c'est qu'une partie de jeu de rôle, c'est toujours truqué, c'est du théâtre, hein. Voilà, bon, bah, autant improviser. Hein. Alors, je reviens un petit peu sur le combat, parce que du coup, ça peut un peu complexifier les combats, parce que si tu as 6 PNJ qui sont dans ton camp, eh bien, s'il y a un combat versus des PNJ antagonistes, bah, ça crée de la complexité, parce que du coup, ça fait une grosse team, quoi. Eh bien, là, éventuellement, tu peux confier, en fait, à chaque joueur, tu peux confier le ou la PNJ avec qui son PJ est lié. Et bah voilà, bon, bah, celui-là, de toute façon, c'est ton serviteur, c'est ton ami, ou c'est toi en combat, c'est toi qui le gères, quoi. Ça permet, voilà, un petit peu de distribuer la charge cognitive, tout simplement, et puis le temps de jeu, quoi. Et pour conclure, messieurs, mesdames, personnes non-binaires, je suis obligé de faire de l'autopromotion, puisque j'ai sorti un jeu qui s'appelle La Litanie des Êtres, hein, donc un jeu Milvaux, où justement, c'est un jeu de world building, où on crée en fait un groupe de 6 personnages qui appartiennent à la même communauté, et on va un peu étoffer un petit peu ces personnages. Tu verras, c'est un jeu de world building assez original, qui fonctionne sur le principe des narrations non fiables, puisque en fait, on ne crée pas ces personnages avec notre voix de joueur, mais avec la voix d'un ou d'une narratrice, voilà, qui fait partie de cet univers et qui a du coup forcément un propos qui est biaisé. Sur ce, ne sois pas le PNJ de ta vie, prends soin de toi, et puis des bisous si consenti, à la prochaine pour une nouvelle dinguerie. Salut !